Je suis très étonné aujourd'hui que les communicants ou bien les hauts cadres d'RPG qui viennent demander dialogue à M. Seludel Ngalo et son parti. Mais regarde comment cette partie RPG Arc-en-Ciel sont malins. Ils ont fini de tuer la jeunesse guinéenne, fini de tuer les sympathisants du parti de Seludel Ngalo. Et puis il vient comme ça à Berripi, banalement, non, il faut que on appelle de dialogue, on s'assoit, on discute de la meilleure façon ou bien quoi. Mais essayez de respecter les Guinéens au moins. Essayez de respecter les Guinéens au moins. C'est très important pour nous. S'il vous plaît, essayez de respecter les Guinéens, je vous dis. Mais il y a... tu auras comédie. Au comédie rôle, Marie Barafara, combien de personnes Naran Barafara pour sauvegarder la démocratie guinéenne? Combien de personnes qui ont perdu la vie? Eux, en ce moment, vous les RPGistes, vous étiez là, applaudis pour le parti. Vous étiez là pour insulter. Pour insulter. Et là, c'est Seludel Ngalo et son parti. Vous avez humilié, insulté la maman de président Eli démocratiquement de la Guinée. Aujourd'hui, je suis très étonné que les RPGistes viennent demander dialogue, dit que oui, Seludel Ngalo doit accepter de dialogue, Seludel Ngalo doit accepter de revenir sur la table. Ils vont discuter de la meilleure façon. Et on vous dit, si Seludel accepte cette dialogue-là, nous, on va montrer à Ella Seludel Ngalo qui a mis l'eau dans coco. Ça, on va montrer ça à Ella Seludel Ngalo. Ça, il n'y a même pas débat. Aujourd'hui, vous venez gueuler sur la toile que oui, c'est le délai. On l'a mal engagé, ça ne dit qui dialogue qui on a dialogué bas. Alors que les Guinéens ont avancé, les Guinéens se gagnaient, bêté, bégoré. Et le moment que vous insultez, c'est le délai Ngalo. Vous n'avez pas prendre la peine de comprendre que oui, et tôt ou tard on doit appeler la Guinée sur une table. Maintenant, vous avez vu que les RPGistes, les hauts cadres du parti sont serrés, bloqués. Maintenant, vous venez dire que non, on a un dialogue. Vous ne pouvez pas nous tromper, vous nous blaguez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous pensez que la Guinée vous appartient? Ou bien vous pensez que la Guinée c'est des bébés dits? C'est des poupées qui vivent là-bas? Hein? Vous pensez que la Guinée c'est des poupées ou bien des bébés dits qui vivent là-bas? Hein? Détrompez-vous! Quand je vois aujourd'hui la communicante de RPG, Tigi Danke, Danka Tigi, se flanque sur le réseau social, soit disant que ouais, on doit faire la paix. Et Seludel doit accepter je ne sais pas quoi. Non, donc Tegidanke, tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte. Vous qui enflammez les choses, vous qui enflammez le game, hein? Aujourd'hui c'est toi qui s'est flanqué devant people, soi-disant, oui, c'est le Dalen. À la main, on a dialogue à accepter. Si vous avez gagné les élections, viens, tu vas nous montrer que vous avez gagné les élections, mais il faut accepter que Alpha Condé doit continuer jusqu'à 2026. C'est l'eau. Il accepte cette dialogue. Hein? Nous, la jeunesse guinéenne, on va lui montrer noir sur blanc, qui a mis l'eau dans coco? C'est ça qui est la vérité. Vous avez dit que vous êtes le plus fort en Guinée, que la Guinée vous appartient.
Voilà. Donc, nous, on force personne. On force personne. Nous, on défend la Guinée et les Guinéens et la vérité. Jamais le mensonge ne passera pas chez nous. Jamais de la vie. Maximum de partage, les gars. Yeah. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. C'est aujourd'hui que les communicants se flanquent sur les réseaux sociaux. Dit que non, ouais, on l'a maouna. Dialogue. Dialogue, hé, la Guinée n'a pas une famille. On vous a dit ça, la Guinée n'a pas une famille. La Guinée, hé, nous, on n'a pas besoin de votre dialogue. Voilà, on n'a pas besoin de votre dialogue. Vous voulez qu'on fasse la paix, dialogue, etc., etc. Il faut que Alpha Condé reconnaisse que oui, c'est lui qui a gagné les élections. C'est fini. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Il reconnaît que, oui, il a Seloudel N'Diallo est vainqueur sur cette élection et que passation rendue à excuse de mandama. C'est fini. Il n'y en a pas de dialogue. Mais dialogue, une partie de la population sont en prison et vous viennent de dialogue. Vous demandez de dialogue. Vous demandez quel dialogue encore? Quel dialogue? Vous demandez quel dialogue? Prendre les hauts cadres d'un parti politique, vous les emprisonnez tous, les Ousmane Gawal, les shérifs Bah, Selou, je ne sais pas, Selou quoi, etc. Et non! Après, vous venez dire que oh, on a la table. Oh, mais ça fait table là. Si vous voulez aller à table, acceptez que Selou Dele est vainqueur des élections le 18 octobre ou bien le combien octobre passé, il est vainqueur. C'est fini. Dialogue, Agnon, Mounta Menine. Rendez à César ce qu'il appartient à César. Rendez à Sourba ce qu'il appartient à Sourba. Voilà, nous on soutient plus le mensonge. L'intimidation, zéro. Tolérance, zéro. Voilà. Donc, je suis très étonné aujourd'hui quand je vois cette fille qui dit aujourd'hui, oui, voilà, c'est un dialogue, la Guinée. Mais la Guinée, mon arabo. La Guinée, pure foutaise. Pure foutaise. Les Libériens viennent parler, gueuler sur la démocratie guinéenne. Les Libériens viennent insulter les fils dignes de la Guinée. Les Libériens viennent traiter les fils dignes de la Guinée comme des arrivistes. Après, eux se flanquent sur le réseau social, soi-disant que oui, c'est Seloudel doit accepter les dialogues. Quel dialogue? Quel dialogue encore? Quel dialogue? Si vous voulez gueuler, mais allez-y chez vous. Libéria, c'est chez vous là-bas. Tegedanke, vous êtes libérien. Amadou Damaro fils, il est libérien. Benito de Massanta, il est libérien. Fof aussi, peut-être, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui disent qu'il est Konyanke, certaines personnes qui disent qu'il est Malinke, je ne sais pas. En tout cas, si il vient de l'autre côté là, il est libérien. Mais pourquoi vous ne partez pas parler sur le problème de votre président, son excellence Georges Waya? Hein? Mais allez-y parler là-bas. Laissez la Guinée avec les Guinéens, c'est très simple. Mais comme la Guinée est devenue un pays de la merde, quand tu soutiens le parti, tu peux insulter tout le monde. Quand tu ne soutiens pas le parti, tu peux... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tôt ou tard, la vérité finiront par trouver fait. Nous, on va toujours défendre cette vérité et cette démocratie. Voilà. Vous voulez la paix? Vous voulez dialogue, non? Dites à votre président, M. Alpha Condé, de faire passation avec Seloud Ali N'Diallo. C'est fini. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Il n'a qu'à reconnaître sa défaite. Il n'a qu'à reconnaître que lui seul a gagné les élections. C'est fini. Dialogue, non? La Guinée, paix mon loumane, na peace and love. Peace and love mon loumane, jusqu'à la fin du monde. Mais en tant que Alpha Condé est au pouvoir, vous demande quel dialogue?
quel dialogue vous voulez. Plus de 400 jeunes qui ont perdu la vie. Plus de 400 jeunes qui ont perdu la vie à cause de la démocratie guinéenne. Et les libériens viennent gueuler sur la toile que oui, non, c'est faux. Non, ceux qui ont perdu la vie, c'est des moutons. Pourquoi ils ont sorti dans les rues, etc., etc. Oui, au moment que vous traitez nos parents, nos frères, nos sœurs comme des moutons, en ce moment, vous ne parlez pas de dialogue, la paix, je ne sais pas quoi. Hein? Mais maintenant, la vérité est là, vous voulez qu'on fasse quelle paix? Hein? Tu tues mon enfant. Quand tu tues mon enfant et tu viens me demander la paix, mais quelle paix toi et moi on peut... Non, il faut respecter, you know. Respecte. Yeah, guys. Il faut respecter les gens quand même. C'est très important, il faut respecter les gars. Il faut respecter, je vous dis. Respecter. Voilà. Donc, avant de parler de paix là, il faut appeler votre président Alpha Condé. C'est très simple. Son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, il faut accepter que celui-là a remporté cette élection. C'est fini, on part, on change. Tout ce qui s'est passé en Guinée, on peut enterrer ça. C'est fini. Mais à Berrio comme ça, vous parlez qu'il y a un dialogue. Et puis, vous avez perdu quoi? Vous avez perdu la radio, vous avez perdu quoi? Awa c'est le monde or ivanga no na fan sende ivanga na dialogue fan accepté mona ma se mebena le roi la Guinée ndeye sa ko ko kui dialogue yo mo musa fi de dialogue yo monta nabi voilà donc wo rar li warara et rester concentré la famille donc c'est un peu ça et force à les bonnes guinéennes et les guinéennes aussi. Donc la Guinée, spirituellement, je ne parle pas des Mamaya, ceux qui disent que la Guinée est une famille ou bien quoi, non. Pour eux, hein, pour moi, la Guinée n'a pas une... La Guinée, je ne sais pas, non, mon affaire, de qui en a, famille ou non. Chacun n'a qu'à occuper de son problème en Guinée. Voilà, arrêtez de nous blaguer.